is falling down, my fair lady. Build it up with sticks and stones, sticks and stones, sticks and stones. L'annonce de la troisième grossesse de Kate Middleton, comme pour les deux premières, déclenchait la folie des parieurs qui se sont empressés de deviner le prénom du prochain Royal Baby. Mais le couple princier pourrait vous étonner par ses choix. C'est sûrement l'une des occupations principales de nos voisins d'outre-Manche depuis la révélation de la troisième grossesse de Kate Middleton. Depuis le mois de septembre et l'annonce officielle du palais de Kensington, les sites de paris en ligne enregistrent des records de visites et les parieurs sont plus déterminés que jamais à trouver le ou les prénoms est-ce que donneront Kate et William à leur futur enfant. Si l'on ignore toujours le sexe du futur bébé qui sera annoncé quelques minutes après la naissance, les parieurs ont tout prévu. Ils pressentent les prénoms d'Alice, Victoria ou Alexandra pour une petite fille contre Arthur, Henri ou Frédéric pour un petit garçon. Pour la naissance du premier enfant du couple, les Anglais avaient misé sur George, James ou Louis pour un garçon. Dans le mille enfin presque puisque Kate et William ont porté leur choix sur George, Alexander et Louis. Même chose pour la petite fille du duc et de la duchesse de Cambridge. Si le prénom d'Alexandra arrivait en tête, c'est finalement vers les trois autres, Charlotte, Elizabeth et Diana, que la décision des parents s'est portée. Jusqu'à présent, les parieurs ne se sont donc jamais vraiment trompés. Mais cette troisième naissance pourrait être une exception comme l'a révélé Christian Turner, expert en prénoms royaux, dans les colonnes de Vogue. Si la tradition veut que les prénoms des nouveau-nés soient choisis en fonction de l'héritage familial, ceux du petit frère ou de la petite sœur de George et Charlotte pourraient réserver quelques surprises. Toujours d'après Christian Turner, plus l'enfant a des chances d'accéder au trône d'Angleterre, plus le choix des prénoms est important. Surtout le premier qui se doit de rendre hommage à la lignée britannique. Mais le prochain Royal Baby a des chances de bousculer la tradition puisqu'il ne sera que cinquième dans l'ordre de succession au trône, après Charles, William, George et Charlotte. Ce qui laisse donc le champ des possibles aux futurs parents. Réponse en avril.